Okay. <coughs> A foti avia Ida owi owa Kaditwe imu handi A anda hondegote Nuli uwinangi sanjata Wolde mako tamai sanjugo afoti aviya oyi o wartan kadi mo a anda humde gotel no lewruwe inange sanjata wolde maako tamai sanjugo to wari ɗum jemen to omai mayi ɗum jemen to omiti jemen to o wartan ɗomjemen to warti ɗomjemen minjadan ajalna ɓingelshinem mosanam ɓingelshinem mosanam ɓingelshinem mosanam ɓingelshinem Voilà. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc ça c'est un spécial directeur. Je crois que le samedi matin, il y a des gens qui font sport et tout. On peut faire un petit direct une introduction au culte de dimanche. Donc, je t'invite particulièrement, toi qui es dans la ville de Yaoundé, à ne pas manquer le grand culte, le de culte des exploits, le dimanche des exploits. Ce dimanche, à partir de 7h30, l'église est située à Yaoundé, au quartier Kouaban. Quand vous arrivez au quartier Kouaban, demandez qu'on vous conduise à la BIR, la Base Internationale REMA. Donc, eh, nous sommes là, à partir de 7h30, nous aurons un culte de puissance, un culte de restauration, de bénédiction où Dieu veut accorder de l'espoir à ta vie, à ta famille. Donc ne manque pas, ne manque sous aucun prétexte à ce grand rendez-vous. Donc vous êtes mes invités. Ce dimanche, à partir de 7h30, à Yaoundé, tous les habitants de Yaoundé et de ses environs vous êtes invités. Ne reste pas à la maison, s'il te plaît. Je fais cette annonce parce que c'est un dimanche spécial. Ce sera un moment spécial pour toi, un moment spécial pour ta vie, un moment où le Seigneur Jésus Christ te donne rendez vous. Le Seigneur te donne rendez vous avec l'histoire. Viens écrire l'histoire de ta vie, ta propre vie, au soir participant de l'écriture de cette histoire merveilleuse. Donc si vous êtes à Yaoundé, ne lésinez pas, ne paraissez pas, ne lambinez pas, s'il vous plaît, prends très très au sérieux l'annonce que je suis en train de faire. Cette annonce est pour ta délivrance, pour ta bénédiction et pour ta visitation. Le Seigneur est vivant, il est bon. Et il faut savoir que la bonté de Dieu ne change pas. Et aucune circonstance de nos vies ne doit nous faire penser autrement. Le Seigneur est bon, il est grand, il est puissant, il est miséricordieux. Nous le servirons tous les jours, jour après jour, jusqu'à la mort. Donc viens me joindre ce dimanche à partir de 7h30. Viens avec ton cas, nous allons prier. Quel que soit le fardeau que tu portes, nous croyons en Dieu. Nous croyons en sa bonté, nous croyons en sa souveraineté. Vous savez, le Seigneur est vivant et sa main est puissante. Je vous dis la vérité. Sa main est redoutable. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait au milieu de nous et pour toutes ses œuvres merveilleuses, ses œuvres compréhensibles et incompréhensibles. Voici, la Bible dit que les voix du Seigneur sont insondables. Donc, ne manque pas d'être là ce dimanche et la main de Dieu sera avec toi. Et à Douala, ce sera à partir de 16 heures. Tous les habitants de Douala, l'église est située en Dogbon. Je vous encourage. Ne nous suivez pas seulement à la télévision, mais déplace-toi. Cette fois-ci, fais le déplacement de ta maison pour l'Église. Vous savez, à Ndokbon, nous vivons des choses extraordinaires. Nous sortons d'un grand séminaire de mariage et nous avons été largement bénis. Beaucoup de couples ont été restaurés. Et je suis reconnaissant envers le Saint-Esprit pour cette œuvre merveilleuse, mirifique et mirobolante qu'il ne cesse d'accomplir au milieu du peuple de Douala. Donc si vous êtes à Douala ce dimanche, vous êtes mes invités. À partir de 16h en soirée, ne manque pas, derrière l'immeuble Camlet en Dogbon, demande tout simplement qu'on t'amène à la congrégation baptiste camerounaise, la paroisse Réma Mission. Donc, si tu le fais, le Seigneur est en ta faveur. Excusez-moi. Oh, ok. Donc, c'est ça, ça glisse. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ça et je crois au Seigneur pour toi, pour ta vie. Je sais que le Seigneur veut te ressourcer. Il va te restaurer. Donc, si vous avez des situations compliquées, difficiles, ne manquez pas de venir. Vous savez, la vie de l'homme sur terre est un sujet de réflexion. La Bible dit aujourd'hui du bonheur, résulte à moi au jour du malheur, réfléchis. Réfléchi. il faut réfléchir. Je vous dis la vérité, il faut réfléchir. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est souverain, et sa souveraineté, parfois nous ne la comprenons pas. Et est nous. Il est Dieu, il est souverain. Et nous étudions encore ses voies. Nous nous adaptons à ses voix, nous essayons de comprendre ses voies et nous nous humilions sous sa main puissante afin qu'il nous élève autant. Convenable, vous voyez. Donc, ce matin, je me suis levé et j'ai médité dans Genèse chapitre 40. La Bible dit Après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensaient leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre à la prison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef de garde les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et il partirent. Pendant une même nuit, les chansons et le panthier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous deux, un son, chacun les siens, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications Racontez-moi donc votre songe. Le chef des de échansons raconta son songe à Joseph et lui dit Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Et la Bible dit Ce cep avait trois sarments quand il eut poussé. Sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les trois serments sont trois jours. Encore trois jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais encore son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montrer, je te prie de la bonté à mon égard parle en ma faveur à pharaon et fais-moi sortir de cette maison mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre-je te prie de la bonté à mon égard parle en ma faveur à pharaon et fais-moi sortir de cette maison car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison le chef des panetiers voyant que Joseph avait donné une explication favorable dit. Voici il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au dessus de ma tête. Joseph répondit et dit. En voici l'explication. Les trois corbeilles sont trois jours. Encore trois jours. Et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous, à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons, pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre, les chefs des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Seigneur, merci pour cette parole qu'elle nous donne tous la grâce de comprendre la vie et d'avancer avec toi et de faire ce qui est droit à tes yeux. Aide-nous. Tu es notre Père et notre Créateur. Nous t'appartenons mots. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, ça c'est une histoire merveilleuse et, et, et que nous tous, nous connaissons d'ailleurs. Nous tous, nous la connaissons, l'avons déjà lu, Ou on a entendu parler d'elle, ou bien nous avons suivi quelqu'un la lit ou bien l'interpréter. Mais cependant, je quand même revenir sur cette histoire que vous maîtrisez mieux que moi, pour partager mon expérience ce matin avec vous. La Bible dit que Joseph était en prison. Et pendant qu'il était en prison, il y a eu le chef des, 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 des échansons et des panetiers euh, qui étaient en prison. Donc, le chef des échansons, c'est lui qui servait à boire au Pharaon et le chef de panetiers lui, il était le cuisinier de Pharaon. Et dont les deux avaient commis une erreur dont la Bible ne nous parle pas. Et puis quelque chose s'est passé, Pharaon s'est irrité contre les deux et les a mis en prison. Et là, en prison, ils ont rencontré Joseph, qui lui aussi avait été envoyé en prison. Et vous savez, la Bible explique que Joseph, lorsque la femme de Potiphar l'a accusé euh, faussement, a été envoyé dans la prison. Des serviteurs du roi de Pharaon, n'étant pas lui-même serviteur du roi de Pharaon, pour montrer la faveur que Dieu avait lui avait dans sa vie. Donc, en fait, Joseph n'avait pas été placé par hasard dans cette prison parce que la Bible explique clairement qu'il y avait multiples prisons en Égypte à l'époque. Mais c'est dans la seule prison des serviteurs de Pharaon qu'il a été envoyé, n'étant pas serviteur de Pharaon. Nous comprenons que la main de Dieu était la même dans le choix de la prison où Joseph devrait être. Donc, même dans nos malheurs les plus fous, dans nos malheurs les plus incompréhensibles. Je vous dis la vérité, lorsque nous craignons Dieu, que nous l'aimons et que sa faveur dans notre vie, même dans la prison où nous sommes menés au jour du malheur, la main de Dieu nous guide. Nous n'allons pas dans n'importe quel genre de prison. Même la prison où nous allons a quand même un arrière-goût de royauté. Le Joseph était dans une prison royale. Une prison où seul Pharaon pouvait envoyer des prisonniers. Lui, n'étant pas digne d'être dans cette prison, c'est dans cette prison-là que Dieu lui l'a mis donc. Pour dire que même dans notre malheur, dans les moments les plus difficiles de votre vie, Dieu choisit des malheurs royaux pour vous. C'est-à-dire qu'il y a la main de Dieu. Dieu vous conduit dans une prison de royauté. C'est-à-dire que dans ton malheur, dans ton malheur royal, et ton bonheur sera aussi royal. Donc, il n'y a rien d'esclave ou bien d'esclavagisme dans les souffrances de ceux qui servent le Seigneur de tout leur cœur. Même ta souffrance est royale. Même ta prison, dans ta souffrance au jour de ta détresse, est une prison de royauté. Voilà, il y a une notion royale là-bas. Il y a une grâce royale là-bas parce que tu portes en toi le sceau de la royauté, parce que tu es un fils de roi. Dieu sait comment il fait ces choses, vous savez. Lui seul sait. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie que tu ne comprendras pas. Moi-même, en tant que serviteur de Dieu, il y a des choses que Dieu fait et que je ne comprends pas. Vous voyez, tous les jours, vous comprenez que vous êtes limité et que Dieu est illimité, qu'il est grand. Je méditais ce matin chez la mort de Papati Bidjochoa et, et je ne comprenais pas. Humainement parlant, on comprend pas. Mais en tant que euh, personne spirituelle, on comprend. Vous voyez, on comprend. Et je disais à quelqu'un hier que dans cette génération, il n'y a personne qui ait une notion de guérison autant forte que celle de cet homme, ce patriarche de l'Église. Personne. Personne. Vous savez que Pasteur Christ a un don de guérison très fort. Mais il n'est pas brut comme celui du prophète Ibed Joshua. Donc, mais cependant, cet homme est mort d'une maladie. Et ça m'a rappelé l'histoire du prophète Élisée, qui ayant reçu la double portion de son père Élie, est quand même mort d'une maladie. Voyez. Donc, cet homme est mort d'une simple maladie. Euh, à ce que j'ai compris, si je ne me trompe pas, c'est si la version que j'ai apprise est vraie, une simple maladie du ventre, et puis qu'il a emporté. Voyez, Donc, euh, humainement parlant, l'on se poserait la question de savoir mais lui qui a autant guéri des gens, comment a-t-il succombé à cette maladie Pourquoi n'a-t-il pas prié en disant Seigneur, guéris-moi Dieu l'aurait guéri parce que Dieu l'a utilisé. C'est la question que tout le pose. Voilà pourquoi je pense sincèrement que euh, quand on entend les hommes dire, mais c'est un nom de Dieu. J'ai entendu un voyage qu'on a partagé, une dame qui disait que j'ai tellement prié guéri le malade au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais le cas de ma femme m'a dépassé. Et c'est normal, vous voyez, on ne peut pas se fâcher. Tu ne peux pas te fâcher. Ça dit toi qui vis ce cas, tu ne peux pas te fâcher. Pourquoi Parce que c'est un raisonnement qui est tout à fait normal. C'est-à-dire que l'homme normal réfléchit normalement. Et donc, il faut entrer dans la sphère spirituelle pour comprendre maintenant le domaine de la souveraineté de Dieu, ce que tout le monde n'a pas comme connaissance. Vous voyez hum, euh, Je pense qu'il y a des choses que vous, qui vous donnent à comprendre Dieu. Vous comprenez qu'en en fait, Dieu, ce n'est pas A plus B, 1 plus 1 égale 2, ou bien 2 plus 2 égale 4. Ça, ce n'est pas Dieu. Parfois, ça peut être Dieu. Dieu peut être dans 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Et quand tu prends l'habitude, après un jour tu feras 1 plus 1 égale 2. On te dit ce n'est pas Dieu, Dieu n'est pas dedans. Maintenant c'est 6. 1 plus 1 égale 6. C'est comme ça Dieu. Le... C'est-à-dire que Dieu est irrationnel, vous voyez. On ne peut pas le comprendre avec la raison humaine. Et dans le, le voyage, la dame partageait avec ses amis. Donc c'est un voyage qui a circulé surtout dans le monde musulman. Parmi les musulmans, c'est une dame musulmane qui a écrit, qui a fait le voyage à une de ses amies, puis ça circulait. Et puis c'est revenu aussi dans mon téléphone. Il disait que vraiment cet homme, avec toutes les guérisons, Dieu l'a utilisé pour guérir des gens, mais le cas de sa femme, il n'a rien pu faire. Oui, c'est un peu ça. Bon, la vérité aussi, c'est que de toutes nos filles que je connais, sauf si peut-être il y a eu un décès et que je ne suis pas au courant, de toutes nos filles que nous connaissons, et l'Église le sait, qui ont souffert du cancer, que ce soit du col de l'utérus ou bien que ce soit de cancer du sein, toutes sont vivantes. De toutes celles que je connais, elles sont vivantes. Ça veut dire qu'on a prié avec Momi. C'est momie, momie même qui a prié sur elle. Elles sont vivantes. J'ai une de nos filles qui a été malade du cancer du sein. Et après cela, ça, elle a subi une métastase qui allait jusqu'aux os. Donc ça fait que ses os étaient fragilisés. Elle ne pouvait plus marcher. Et elle est en phase terminale. Et les hôpitaux au Cameroun lui ont déclaré la mort. On dit qu'elle était mourante. En fait, qu'elle attend sa mort. Moumi et moi, nous avons prié pour elle ici à la maison. C'est une grande autorité dans ces nations. Nous avons prié pour elle ici à la maison. Et on m'a dit, quand j'étais à Douala, qu'elle est passée à la maison. C'était avant-hier, je crois. Elle est passée avant-hier. Parce qu'elle a pris la mort de sa maman. mon Shalom. Et elle est venue. Elle est venue. Dieu l'a rétablie. Elle est venue. Elle m'a conduit. Et puis, je l'ai eu au téléphone. Elle m'a dit vraiment, j'étais à Berthois. J'étais comme ça. Je voyageais comme ça. Donc, Dieu l'a guéri. Le Seigneur a eu grâce lui a fait grâce. C'est un peu ça. Mais cependant, dans mon cas, ça a été différent. Vous ne pouvez pas expliquer. Donc si quelqu'un me dit il faut expliquer, je ne pourrais pas. Un peu, j'imagine, que la femme du papa, tibi Joshua, est en train de vivre aujourd'hui. Il y a des questions que les gens vont lui poser. Mais elle ne pourra pas répondre à ces questions parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent que même quoi qu'on soit homme de Dieu, on est des hommes. On a quelqu'un dessus de nous qui décide. Et la même chose peut vous arriver. D'un moment à l'autre, il faut être humble dans la vie. Parce que tu ne sais pas comment demain sera. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas. Il y a tellement de, 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 de réalités dans la Bible qui nous montrent qu'en fait, Dieu n'est pas l'égal de quelqu'un. Il peut être ton ami, mais il n'est pas ton égal. Il n'est pas ton garçon de course. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au même niveau. Quoi. Quand Dieu veut faire ses voies dans la vie de quelqu'un, il le fait. Il ne regarde plus que tu son ami, ou bien il l'a utilisé pour telle choses, par toi, il est passé pour faire telle chose. Il n'y a pas ça avec Dieu. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, c'est un peu ça. De la Bible explique que quand Joseph est arrivé en prison, donc il va expliquer les, 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 les songes pour les, les, les deux serviteurs de, de Pharaon. Mais ce qui m'intéresse, c'est que quand ça s'accomplit, il dit à celui dont le songe est favorable. Lorsque tu arriveras et que tu seras restauré, et que tu seras auprès du Pharaon, pardon, dis-lui que je suis en prison pour rien, je suis innocent. C'est la première fois que Joseph essaye de défendre sa cause. Mais la Bible dit que lorsque le chef des échansons a été rétabli, il a oublié Joseph. Oh Joseph lui avait bien dit, quand tu seras heureux, au jour de ton bonheur, ne m'oublie pas. Parle de moi au oh roi qui me fasse sortir d'ici. Pardon. Mais cet homme l'a oublié. Ouais, ce matin, ça m'a beaucoup amené aussi à, à faire une rétrospective euh, par rapport à la vie. Dans cette vie, sachez que les hommes seront toujours ingrats. Les gens seront ingrats. C'est-à-dire que ne faites pas le bien. Lorsque quelqu'un veut quelque chose de vous, il fera tout. Il se pliera en quatre pour recevoir cette chose. Mais le jour où sa part donnera, il vous oubliera. Il vous oubliera. C'est ça la vérité. Donc, euh, ça devient un peu compliqué la vie parfois. C'est compliqué. Mais lorsqu'on comprend la vie, elle n'est plus compliquée. C'est-à-dire que lorsque vous n'attendez rien des hommes, Joseph a attendu de cet homme, hein, du chef des de, 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 de échansons. Il lui a dit quelque chose, il lui a rendu un service. Cet homme était heureux, Joseph l'a rendu heureux de son malheur. Joseph a été un soutien pour lui. Mais quand il a réussi, il a oublié Joseph. Comment peut-on oublier quelqu'un qui nous a expliqué, qui nous a donné une grande prophétie comme celle-là et qui s'est accomplie Je pense que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sont frustrés dans le ministère, beaucoup de nos fils sont frustrés dans le ministère. Pourquoi Parce qu'ayant rendu ministère à beaucoup de personnes, donnant des prophéties exactes qui se sont accomplies, et lorsque la prophétie s'accomplit et que la personne est bien, et qu'il l'église, elle ne se souvient plus de l'homme de Dieu. Elle vit dans son bonheur, elle vit dans sa richesse, seule, sans se souvenir qu'il y a eu un homme que Dieu a utilisé ou bien une femme que Dieu a utilisée pour me bénir. C'est ça, en fait, la réalité. D'autres vont même plus loin en insultant même la source de leur bénédiction. Et je pense que Dieu, par Ézéchiel, a dit que les brebis qui boivent et qui salissent l'eau, la source, méchamment la source, qui les désaltère, ces brebis-là seront jugés. L'Éternel les séparera du troupeau. Donc il y a même des gens qui, au jour de leur bonheur, t'insultent même. Ah, tu as me faire quoi pour moi, etc. Donc, ça, c'est des choses qui sont connues. Mais heureusement, le destin de chacun de nous ne dépend pas d'un homme, mais de Dieu. C'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va vous sauver. Ton destin, même si on t'oublie, ceux pour qui tu es mort aujourd'hui, même s'ils t'oublie au jour de leur bonheur, je te dis la vérité, Dieu ne t'oubliera pas. Dieu lui te récompensera. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que tu apprennes à enlever ta confiance des hommes pour la mettre sur Dieu qui seul peut te rémunérer. C'est Dieu qui a ton salaire, ce n'est pas un homme. Parfois nous sommes confus. Pourquoi Parce qu'au jour de notre bonheur, on a tellement fait du bien aux gens que lorsque le malheur nous frappe, ces gens disparaissent. Comme nous dit maintenant à Réma, ces gens disparaissent. Et qu'elle disparition comme ça tu es frustré, tu te dis, mais la femme, si, quand j'avais, je l'ai aidé. L'homme, si, quand j'avais, je l'ai aidé. Comment aujourd'hui, lui, il a, il me sous-estime. Je vous dis la vérité. Presque 100% des personnes que tu aides parce que tu as aujourd'hui, lorsqu'elles auront demain, ne t'aideront pas, ne te reconnaîtront pas. Peut-être même, n'admettront même pas que tu franchisses le seuil de leur barrière. C'est ça la vérité qu'il faut dire aux gens. Elles n'admettront même pas que tu arrives. Je ne parle pas d'entrer dans leur maison, hein. Elles n'admettront même pas que tu arrives dans leur barrière, que tu entres dans leur maison. Elles n'accepteront pas ça. Mais aujourd'hui, tu es prêt à mourir pour ces gens. Tu es prêt à te sacrifier. Pas seulement à sacrifier ce que tu possèdes, mais à sacrifier ta propre vie pour ces personnes-là. Mais cependant, demain, comme le chef des échansons, elles t'oublieront au yeux de leur bonheur, pendant que toi, tu seras dans le malheur. Mais Dieu a fait quelque chose. Dieu va prouver au chef des échansons que l'ingratitude, là moi je ne suis pas un Dieu ingrat. Dieu n'est pas ingrat. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit Dieu n'est pas un juste pour oublier le fruit de votre travail, l'œuvre de votre travail. Donc Dieu ne peut pas oublier ton sacrifice. Voilà pourquoi ne cessons pas de faire du bien. Fais le bien quand c'est nécessaire. Fais le bien quand il y a la possibilité de le faire. Ne te décourage jamais. Ne sois jamais frustré à cause de l'ingratitude des hommes. Ne sois pas frustré à cause de ce que les gens ne répondent pas toujours favorablement à, aux, aux actes positifs que tu poses pour elles. Non, laisse pour eux, laisse les gens être ingrats. Dieu n'est pas un Dieu ingrat. La Bible dit jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le récupéreras. Ça veut dire quoi Le bien que tu fais. Quand j'ai le pain, ça part avec les vagues, mais à une certaine saison, l'eau revient avec ton pain que tu as jeté. N'oublie jamais que Dieu n'oublie pas tes actes de justice. N'oublie jamais. Que Dieu n'oublie pas ta bonté. N'oublie jamais que Dieu lui est témoin de l'innocence de ton cœur. Ce qui est important dans cette vie, c'est d'être innocent. Soyez innocent envers les gens. Soyez bon envers les gens. C'est de penser méchant vis-à-vis d'autrui. Non. Célèbre la grâce de Dieu, son don dans la vie des autres. Et je te dis la vérité, personne n'empêchera ta saison. Cet homme a oublié Joseph. Il était dans le palais, dans le palais royal. Mais ce que Dieu a fait, c'est une punition pour cet homme. Dieu a établi Joseph Premier ministre. Dieu n'a utilisé aucun homme pour introduire Pharaon, pour introduire Joseph dans le palais. Les chansons, le chef des chansons, pourrait pas dire que c'est grâce à lui non. Quand Dieu s'est rendu compte que cet homme n'a pas voulu être lui aussi à son tour une courroie de bénédiction dans la vie de Joseph, Dieu a provoqué le Dieu des songes, a provoqué un songe aussi pour Pharaon et directement Pharaon. Lui-même, maintenant, a cherché quelqu'un pour expliquer son rêve. C'est là que le chef des échanges coincé, il n'avait pas de choix. Il ne le fait pas trop parce qu'il aime Joseph. Mais parce qu'il veut encore qu'on lui augmente de grâce pour dire à Pharaon que tu avais un problème, moi je l'ai résolu, je l'ai trouvé quelqu'un. C'est so, où il dit à Pharaon qu'il y a quelqu'un en prison qui peut t'expliquer le songe. Si Pharaon n'avait pas eu de songe, cet homme ne se serait je, je, je jamais souvenu de Joseph. Il y a des personnes comme ça. Tu leur feras du bien. Tu sacrifieras ta vie pour elles. Au jour de leur bonheur, elles t'oublieront. Jusqu'à ce que Pharaon ait un rêve. Elles ne se souviendront jamais de toi. Il y a des gens qui ne pensent jamais, ne se souviennent jamais du bien qu'on leur a fait. Il y a des personnes qui ont ça, c'est leur nature. Ça dit, fais autant que tu peux faire, c'est zéro pour elles. Fais autant, c'est zéro. Je me souviens d'un de nos pasteurs à l'époque. Un de nos pasteurs. Et ce pasteur 100 000 de salaire. Et donc, il est allé rendre visite à une sœur. Et quand il arrivait, la il, pluie avait enlevé le toit de la petite maison de la sœur. Et je pense qu'il fallait peut-être 100 000, je ne sais pas trop, 100 000 ou 120 000 pour réparer la toiture de la sœur. Et donc, quand il arrive, la sœur était membre de son assemblée locale où il était pasteur. Excusez-moi, je vais essayer d'arranger comme ça. Donc, quand il arrive chez la sœur, la sœur lui pose le problème, euh, lui dit que voici le toit de ma maison, vraiment, ça ne va pas. Et je suis fini. Et donc, le pasteur dit Ok, je vais dire ça au père. Et il m'appelle donc. J'arrive, il me pose le problème. Il me dit Vraiment, je suis allé visiter, rendre visite à notre soeur comme ça. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé son toit. Il lui faut 120 000 pour réparer le toit de sa maison et tout. Et vraiment, je te dis ça pour que tu saches comment il faut faire pour pouvoir résoudre le problème de la soeur. Et je lui ai posé la question À savoir, homme de Dieu, vraiment, c'est ta brebis. Elle est dans ton assemblée locale. Et. Toi, tu as 400 000 francs de salaire. Ne pouvais-tu pas enlever dans tes 400 000 francs 120 000 francs pour réparer son toit en tant que son pasteur? Est-ce si que vous pensez toujours que c'est moi qui dois enlever dans ce que j'ai pour aider les gens? Toi qui as 400 000 francs et elle, elle n'a même pas 5 francs. Pourquoi n'as-tu pas enlevé 120 000 francs dans tes 400 000 francs? Il m'a répondu clairement que j'ai beaucoup de problèmes et ma famille a beaucoup de charges. Je lui ai dit, mais attends, avant que tu ne sois pas à Réma. Tu n'avais même pas cinq francs par mois. Maintenant que le Seigneur Dieu te bénit avec quatre cent francs. Donc tu trouves que vraiment tes quatre cent francs ne suffisent pas pour toi et ta famille. Mais que c'est moi qui ai aussi une famille plus grande que la tienne qui doit enlever dans mes ressources personnelles pour aider la sœur. Donc ta part là, ce n'est que bon pour toi et ta famille. Moi qui t'ai aidé en mettant à ta disposition quatre cent francs de salaire par mois. Donc je suis bête. mille francs pour aider une autre personne. Je lui ai dit que c'est pour cela. Et je lui dis ça, je le répète ici, c'est pour cela que vous n'atteindrez jamais le niveau que j'ai atteint. C'est pour cela que Dieu ne vous bénira jamais, autant qu'il m'a béni. Parce que pour moi, c'est pour le peuple. Mais pour vous, c'est pour vous. Vous êtes égocentrique. Donc, je, vous, je suis bête en fait. Vous êtes plus sage que moi. C'était un peu ça le problème. Donc les, les chansons, lui, il est bien, il est béni. Et, et donc, il trouve que vraiment, je peux dire au oh, 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 pharaon que... Il euh, y a un garçon comme ça et le gars vient, il me déclasse devant Pharaon. Vous voyez, ça pose un problème. Et donc, le gars n'a pas voulu. Du cas, ce que veux, il trouve il soit obligé de le faire. Et quand Dieu va élever Joseph, Dieu établira toujours Joseph au, au, à la tête de les chansons et deviendra le patron de les C'est comme ça que Dieu punit les, les, les avares. C'est comme ça que Dieu punit les méchants. Vous voyez. Donc, il euh, y a des personnes à qui vraiment, de qui il ne faut rien attendre. Fais le bien pour le faire. Ma femme avait l'habitude de me dire que mon mari, écoute, vraiment, faisons seulement, faisons le bien comme devons le faire. Ne regardons ni à gauche ni à droite. Elle me disait, ne t'attends à personne. Et ma femme me disait, et c'est des prophéties qui sont accomplies aujourd'hui, qui s'accomplissent. Je vis l'accomplissement des, des prophéties qu'elle me donnait, même dans les derniers jours de sa vie. Elle me disait que la plupart des personnes qui sont autour de toi, là. sache que si elles sont à ta place, elles ne feront pas pour toi ce que tu fais pour elles. Et j'ai vu cela. Lorsqu'elle est morte, je l'ai vue, sincèrement. De tous ceux que j'ai appelés mes amis ou bien mes frères proches, Jésus-Christ, mes témoins, c'est une seule personne qui s'est démarquée. C'est une seule personne. Lorsque nous sommes allés prendre la pierre tombale qui a enlevé l'argent, c'était une grosse somme et qui a payé. C'est une société française qui a fait ça, sa, sa, sa pierre tombale c'est une seule personne qui a c'est parmi mes amis qui a dit ok je porte ça sur moi et il a enlevé l'argent et il a payé la pièce tombale de mon ami il a dit tu es mon frère vraiment je ne pas t'abandonner dans des moments comme ceci donc c'est un peu ça la vérité vous comprenez donc et ça moi là même je ne suis pas pauvre ça veut dire que Dieu ne m'a pas arraché ce qu'il m'a donné mais si je le faisais, je le servirais toujours ouais, donc là même c'est encore comme ça et voilà ce que j'ai vécu j'ai expérimenté c'est-à-dire que j'ai expérimenté des choses pendant la mort de Momi que j'ai compris que la vie, la vie, je croyais comprendre la vie, mais ça m'a encore aidé à mieux comprendre la vie. Et, et ma connaissance de la vie et de l'homme, l'être humain, s'est accrue encore. Accru encore oui. Donc dans la vie, c'est un peu comme Momi disait, avec l'habitude de me conseiller, n'attend rien de personne. Et c'est vrai. Si vous, de, de gens, vous si vous attendez des gens, vous n'irez pas de l'avant. Si vous attendez des gens, vous n'avancerez pas. Vous n'avancerez pas. Parce que la vérité, c'est que... Euh, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Donc, mais l'élévation vient de Dieu, non pas des hommes. Quand Dieu a décidé, à cause de ton bon cœur, parce que ta vie est le reflet de ton cœur. Même dans le ministère, je me souviens, mon ami le frère de Faux disait a l'habitude de dire que le ministère de chaque homme de Dieu est le reflet de son cœur. Et c'est vrai. Le ministère de chacun, c'est le reflet de son cœur. La vie de chacun de nous, c'est le reflet de son cœur. Et Dieu met les gens ensemble selon leur cœur. Si ton cœur est méchant, ton ministère ne peut pas avancer. Si tu es jaloux des autres. Tu as ton ministère, tu prends le pupitre, es, c'est toujours pour les noms, parler des noms des hommes de Dieu. Tu vas grandir comment Tu es un danger pour l'église et pour Dieu lui-même. Dieu ne peut pas te confier des brebis, il ne peut pas. Dieu ne peut pas, parce que tu es un poison pour son église, vous voyez. Donc on, on ne vit pas comme ça, mes amis. Que Dieu nous aide à grandir. Donc tu es mon invité, dimanche ne manque pas, à Yaoundé, c'est 7h30. Et, et soyez à l'heure, vous, vous savez, vraiment 7h30, on dit 7h30 là, parfois 7h, moi j'ai déjà commencé. On a commencé. Et puis, oh, on veut être à l'heure. Soyez disciplinés. Vraiment, donnez un sens à votre vie. L'église, c'est la seule chose qui va te suivre après la mort. Ton travail là, tu vas laisser ça. Ton lit que tu aimes, tu vas laisser. La nourriture que tu aimes là, tu vas laisser. Petit déjeuner le bâtiment là, tu vas laisser ça. Nous, on a compris la vie. La seule chose qui va te suivre après la mort, c'est le service de Dieu. C'est l'église, c'est ça qui va t'aider après la mort. C'est la seule chose sur la terre qui va t'aider après la mort. Malheureusement, c'est la seule chose que nous négligeons aussi. Non! Tu restes à la maison dimanche, tu ne fais rien. Il n'y a rien qui doit retenir un chrétien à la maison dimanche. Ou un jour de réunion, ou un vendredi. Moi, je ne comprends pas cette magie. Je vous dis la vérité. Ça, je ne comprends pas comment un croyant chrétien, à l'heure de la réunion, peut abandonner son assemblée pour faire autre chose. Je ne comprends pas ça. Si Dieu n'est pas ta priorité, n'as-tu pas peur qu'après la mort, Dieu ne fasse pas aussi de toi sa priorité Parce que ici, tu as le mot à dire. Tu as un mot à dire. Mais après la mort, mon ami, tu ne me parles plus. C'est lui. C'est lui-là. Qui va parler. Donc, je vous en prie, prenons conscience. Prenons conscience. Dieu existe. Dieu est réel. Et il y a une vie après la mort. Si on ne vous a pas dit ça, c'est qu'on vous a menti. Dieu est vrai. Il y a un monde après la mort. Il y a un monde. Il y a un monde invisible dans lequel nous tous nous passerons. Soit du bon côté, soit du mauvais côté. Voilà pourquoi notre vie sur terre, on doit prendre conscience. Il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience de beaucoup de choses. Si on ne le fait pas maintenant, après la mort sera trop tard. Donc ne joue pas avec ta foi chrétienne. Pardon, je t'en prie en genoux. Ne joue pas avec ta foi chrétienne. Pardon, arrête. Pardon, attends, je me mets à genoux devant vous. Pardon. Je vous en supplie. Arrête de jouer avec la vie de Dieu. Arrête de jouer avec Dieu. Arrête de jouer avec ta foi. Arrête de jouer avec le programme de ton église. C'est la seule chose qui sauvera ton âme. C'est la seule chose qui te justifiera après ta mort. C'est la seule chose qui t'aidera à préparer une mort heureuse. Pardon. Jésus a dit Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et les saints anges. Celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est après la mort. Jésus dit que celui qui va s'identifier à lui pendant sa vie sur terre, après sa mort, sera heureux. Parce que Jésus le défendra devant le saint trône de son Père. Mais celui qui négligera Jésus pendant ses jours de vie sur terre, après sa mort, Jésus le réunira aussi devant Dieu. Et c'est n'est pas bien qu'il nous renie après notre mort. Je vous en supplie au nom de Jésus-Christ, par la compassion de Christ. Toi qui négliges encore le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ et la foi et ton Église et les réunions de l'Église. Toi qui abandonnes les réunions pour aller faire autre chose, je t'en supplie. Deviens sérieux. On ne sait pas comment demain sera. Tu ne sais pas comment demain sera. Toi et moi, nous ne savons pas. On ne sait pas combien de jours il nous reste à vivre. On ne sait pas. Il y a, il y a une jeune soeur qui m'a écrit enfin sur, sur mon, mon, mon WhatsApp et elle m'a dit... Elle m'a dit, prophète, vraiment j'ai fait un songe je vous. Et ce n'est pas le premier songe. Il y a des gens qui m'envoient les révélations. Que Dieu nous a montré que vous allez mourir. Comme votre femme. Ce n'est pas une révélation. Pour moi, en fait, je me dis que ce n'est pas une révélation parce que la mort est certaine. Donc elle a écrit, elle m'a écrit que vraiment, prophète, j'ai rêvé, que vous êtes euh, mort. Ça veut dire quoi? Le rêve signifie quoi? Elle me demande de lui expliquer le rêve. Je lui ai dit que le rêve signifie que je veux mourir. Puisque je suis immortel que je sois aujourd'hui ou demain, je veux mourir. Et elle est étonnée de mon explication. Elle veut comprendre. J'ai dit, écoutez, vous-même, vous allez mourir. Moi aussi, je veux mourir. Donc, je n'ai même pas besoin de rêver pour que vous sachiez que vous allez mourir tôt ou tard. Donc, c est, c est, c est, avec Dieu, il faut que les gens comprennent. La mort, ce n'est pas exceptionnel. La mort, il n'y a rien d'exceptionnel dans la mort. C'est mourir en Christ qui est exceptionnel. Mais la mort en elle-même n'a rien pour moi. Pour moi, je vous dis un verset. Et j'avais l'habitude de dire à mon épouse, à partager avec elle ma vision de la mort. Vraiment, la mort ne me pose aucun problème. Non. Si Dieu me dit qu'on va aujourd'hui là, j'ai fait ce vite rapidement. Le testament qu'on va si. fait qu'on s'apprête moi, c'est fini, je m'en vais, je pars. Pourquoi Parce que j'ai compris, je suis un pèlerin. On ne peut pas t'envoyer, quelqu'un peut t'envoyer, en Monsieur, on pas, maintenant pour revenir tu calmes. On a dû envoyer à l'ambassadeur d'un pays, le président de son pays l'appelle, le rappelle, et l'ambassadeur dit que non, moi je ne reviens pas. Non, ça n'a aucun sens. Donc, si Dieu me dit que mon fils vient maintenant, là, on part. C'est ça la vérité. Je, je n'ai aucun problème à mourir. Je n'ai aucun problème. C'est-à-dire que c'est vous qui voyez la fatalité dans la mort. Pour moi, la fatalité n'est pas dans la mort. La mort n'est pas, la, la pas, pas une fatalité. La Bible dit plutôt que la mort. Paul dit que la mort même un gay. Il dit que parfois, mais j'ai envie de mourir maintenant. Mais c'est à cause de vous que je, je vais encore rester. Donc, si Dieu me dit, OK, il te reste 5 ans, il te reste un, un an, il te reste un mois, vraiment, mon ami, je n'ai aucun problème avec. Il faut que les gens comprennent. Donc, rêver que, OK, j'ai rêvé que vous êtes mort et tout, pour vous, c'est exceptionnel. Pour moi, ce n'est pas exceptionnel. Ça dépend de quelle relation chacun a avec Dieu, de comment il marche avec Dieu et de comment Dieu lui fait voir la mort. Pour moi, la mort n'est pas un événement. Non. L'événement, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est l'héritage du royaume des cieux. C'est ça, un événement chez moi. Mais la mort, c'est normal. Mon esprit va quitter mon corps un jour. C'est un peu ça. Donc, pour moi, la mort, c'est un peu comme aller aux toilettes. Donc, il faut faire attention. Nous, nous sommes chrétiens pour aller au ciel. On vit pour ça. Notre espérance, c'est ça. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Je me bats tous les jours pour la vie éternelle. Je me bats tous les jours pour que ma vie plaise à Dieu. Je me bats tous les jours. À chaque fois que je découvre une tâche dans ma vie, je me bats. Et Dieu le sait. Il me témoigne pour que cette tâche soit effacée. J'essaie de m'améliorer tous les jours, de me perfectionner tous les jours. Dans mes faiblesses, dans mes limites, j'essaie de me perfectionner. Malgré le grand malheur qui m'a frappé, je veux être fidèle dans la tâche. Je me suis engagé, j'ai dit à Dieu que je prends l'engagement d'être ton serviteur, je veux prêcher ta parole. Et donc, je vais être fidèle à cet engagement. Ce que ça me coûte, me regarde. C'est ça la vérité. Ce que ça me coûte, me regarde. Mais je ne peux pas venir... Euh, partager C'est un peu comme il y a de cela quelques jours, j'ai fait un rêve, un songe où enfin, j'ai revu euh, mon épouse. On était en train de servir le Seigneur, on prêchait. Donc, je lui avais donné la parole pour enseigner et comme elle aimait enseigner, un des problèmes que j'ai eu avec ma femme et que je n'ai pas pu résoudre jusqu'à ce qu'elle retourne au Seigneur, c'était l'amour de prêcher. C'est-à-dire que quand je disais à mon Mickey, ok prends le micro, va, euh, tu vas parler pour 15 minutes. Elle n'avait jamais fait 15 minutes. C'est ça, vous allez remarquer qu'à l'époque, parfois, il dit au basama Bassama okay, va prendre le micro. Quand le revoir Bassama, <laughs> il va, il tourne, il tourne. Il n'accomplit pas la mission. C'est la mère. Tu vas faire comme on peut dire à la mère que <laughs> le micro. Il dit au revoir ok, va, prends le micro. Le revoir lui-même, il va, il n'arrive pas, il tourne, il tourne. Après, c'est moi qui me levais pour aller. Personne ne n'a jamais, allé, jamais allé dire à maman que, ok, vas-y, il faut donner le micro. Elle aimait tellement prêcher la parole. Elle était une amoureuse de la parole, de la prédication. Elle avait une passion. Une passion. Je prie que ce manteau ne se perde pas. Vraiment, que ses filles héritent de ce manteau. Donc, c'est toujours moi. Donc, ça fait que je lui disais toujours que, ma chérie, une des choses que tu n'as jamais réussi depuis que je te connais, c'est de me remettre le micro à temps. Donc, il fallait toujours que je me levasse pour aller reprendre le micro entre ses mains. Donc, j'ai rêvé d'elle. On était en train de prêcher. Et puis, je lui avais donné le micro. Et elle est partie. Elle prêchait, elle prêchait. Après, je l'ai appelée. Elle lui dit chérie, écoute, il faut que tu me donnes aussi. Je prêche aussi un peu. Après, je vais encore te redonner. Et puis, elle chantait, il y a une chanson en langue qu'elle chante ces derniers temps aussi. Et j'ai commencé à chanter la chanson, j'adore chanter en langue. Et comme elle souvent, le met souvent, me le faire à la maison, elle m'a dit, mon mari, regarde, vraiment, la chanson là, toi tu, tu dégames un peu. Je lui ai dit que dans le rêve, que non, écoute ma chérie, tu sais vraiment, ici là c'est l'esprit, chantons par l'esprit, ça vient, ça vient, chante, c'est vraiment... il n'y a plus de gamme ou bien de ou bien de gamme. il faut juste chanter. Et après ça, je me suis retrouvé, on était dehors, on était de discuter, mais à l'heure de partir, au moment de quitter, de partir, j'étais dans la voiture. Mais j'ai voulu qu'elle entrât dans la voiture pour que, euh, pour que nous allions ensemble. Mais cependant, euh, la voix de l'éternel a retenti dans la vision. Et puis, la voix a dit Non, elle ne peut plus entrer dans la voiture. Parce que cette place-là, euh, elle ne l'occupe plus. Maintenant, elle est avec moi. Donc, un peu plus entrer dans la voiture avec toi. Dans la vision, moi j'étais dans la voiture et elle, elle m'accompagnait. Je ne sais pas comment elle se déplaçait, mais elle se déplaçait à la vitesse, de la voiture mais n'entrait plus dans la voiture parce que l'Éternel m'expliquait dans le songe qu'elle ne pouvait plus. Cette place-là, c'était lorsqu'elle était encore en vie parmi les humains. Maintenant, sa place est auprès de lui. Et donc, dans le songe, pendant que je roulais et que le Seigneur me parlait ainsi, je me suis mis à pleurer. Donc je pleurais. Et je la voyais dans, à travers la vitre de la, la portière de la voiture. Et je pleurais. Je pleurais. Pourquoi je passais Je me disais Ah ma femme, comment en sommes-nous arrivés au point où tu ne peux plus t'asseoir à côté Moi, je peux plus t'avoir physiquement à côté de ma voiture. Et qu là, je suis obligé de t'observer. Qu'il y a une séparation entre toi et moi. Et donc je me suis réveillé en pleurant. Vous voyez un peu le rêve. Le genre que vous vous réveillez en train de pleurer, en sangloter. que vous sanglotez en dormant et vous vous réveillez. Et je me suis assis par terre dans ma chambre d'hôtel, et j'ai humilié mon âme devant le Seigneur, et j'ai béni surtout le Seigneur de m'avoir rassuré qu'elle était dans un bon endroit et qu'elle était arrivée. Et maintenant, le défi, c'est pour vous et moi. Le défi, c'est d'arriver aussi là-bas. Et je vous dis la vérité, elle était heureuse. L'endroit où elle est, c'est... Elle est heureuse au paradis. Elle est heureuse. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu nous aide, nous qui sommes sur la terre, à cesser de négliger les voies du Seigneur à être sérieux dans notre engagement à servir Jésus-Christ. Il y a la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, c'est la réalité. Il y a la vie en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a la vie après la mort. Si nous sommes persévérants, si nous nous battons pour nous sanctifier, si nous nous battons pour conserver nos vies en droite ligne avec l'enseignement biblique, pour nous conformer à la volonté de Dieu et fuir le monde et ses passions, Fuis le monde, surtout nous qui sommes jeunes. La tentation est grande, la tentation est forte. C'est ça la vérité. Elle est très grande. Mais si nous faisons tout, nous nous battons et que Dieu voit en nous la volonté de lui plaire, il nous donnera sa sainteté. Il nous donnera la crainte de l'éternel. Et cette crainte de l'éternel nous aidera dans ce monde pervers et corrompu où tu regardes à droite sur le péché, à gauche sur le péché, devant sur le péché, derrière sur le péché. Dieu nous aidera à nous conserver debout, loin des attraits du monde, loin des passions de la chair, loin des péchés pour pouvoir être agréable à Dieu. Si nous sommes sincères, Dieu nous aidera. Il nous réserve une place au ciel avec lui. Il y a une place avec lui. Lui aussi elle est pour nous. Il a dit dans 14, du verset 1, Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque si je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a des demeures aussi pour nous. Mes amis, persévérons. Parfois c'est dur. C'est difficile. Mais persévérons. La mort de mon épouse aujourd'hui... Bon, euh, ça m'a mis dans une condition un peu compliquée. J'étais avec une amie hier qui est venue me fortifier et m'encourager. Euh, elle me disait vraiment, prophète, tu vois, j'ai peur, mon frère, j'ai peur pour toi. J'ai peur parce qu'il faut, avec tout ce qui se passe là, avec les jeunes femmes et tout, qui vont t'attaquer, qui vont chercher à te conquérir et tout. Maintenant, tu es célibataire et je lui dis que vraiment, euh, il faut plutôt prier pour moi. Il faut prier, c'est la vérité, c'est réel. Je suis conscient de cela, je le sais. Vous devenez un peu comme une proie, chacun regarde que ça c'est une proie qu'il faut. Donc. Mais lorsque vous avez une vision, lorsque vous vous humiliez devant le Seigneur, je crois que Dieu a aidé Paul, il peut aussi nous aider aujourd'hui. Donc c'est un peu cela. Tout dépend de ce qu'on attend de la vie. C'est ça. Donc il faut plutôt prier. Priez pour moi, Seigneur, soutiens ton serviteur, Seigneur. -le. Elle m'a dit Tu travailles beaucoup. Tous les jours, tu fais culte. Je lui ai dit que ça m'aide à oublier un peu. Ça m'aide. Vraiment, je ne je veux, veux pas être trop conscient de l'absence de mon épouse, mais je voudrais me concentrer un peu plus dans le ministère. Ça fait que, parce ben, que c'est ma deuxième femme là-bas. Donc, en fait, j'étais polygame. Ça, ma femme, je lui disais toujours hein, Polygame. Donc, là, je, 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 je me bats pour le ministère et puis je suis concentré. Ça me permet. Ouais, c'est un peu comme ma drogue maintenant, c'est un peu comme mon opium mais ça m'aide à avancer facilement et à regarder à l'avenir. Mais ce qui est important, ce n'est pas qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là. Non, ce qui est important, c'est que vous et moi, nous sommes là. Ce qui est important, c'est que chacun de nous prépare sa mort. Ce qui est important, c'est que chacun se pose la question dans quelles conditions j'irai. Elle, elle a triomphé. Je suis témoin de sa foi. Je suis témoin oculaire de sa foi, de son engagement, de sa, son abnégation pour Christ, de ses dernières paroles, de ses prières devant l'Éternel. Merci Jésus. Que Dieu nous aide. Nous arriverons. Nous parviendrons. Ne nous décourageons pas. Ne nous arrêtons pas. Nous parviendrons. De toi qui négligeais ta foi, qui négligeais l'Église, je t'en supplie. Ne manque plus l'Église. C'est dangereux. Ne manque pas l'église, c'est très très dangereux. Ne reste pas vendredi à la maison pendant que nous nous sommes rassemblés dans sa présence. C'est dangereux. Ne mets plus ta vie en danger. C'est très dangereux. C'est mieux d'abandonner tout ce que tu fais pour Dieu que d'abandonner Dieu pour tout ce que tu fais. C'est dangereux. Je vous dis la vérité. Que Dieu nous donne la grâce de prendre conscience. De t'attends ce dimanche, si tu es à Yaoundé, à de 7h30, donc, l'église est en ban Quand vous arrivez au Carrefour Kouaban, demandez à n'importe qui la bire. On vous amènera. À cause des choses que Dieu est en train d'accomplir au milieu de nous. Rien ne nous arrêtera. Aucune montagne ne résistera devant vous, papa. Merci. Ça, c'est clair. Aucune montagne. Je n'ai même pas l'intention de laisser une montagne résister devant moi. Non. Nous servirons Christ. Je suis prêt à le servir jusqu'à ma mort. À payer n'importe quel prix. Le genre de prix que j'ai vu ma femme payer pour la vie éternelle pour sa foi en Christ. Mes amis, ça m'a encore encouragé. Ça veut dire qu'à la fin, c'est elle qui est devenue le pasteur de mon âme. Sa foi m'a boosté. Ça veut dire que j'ai compris qu'il y a des gens qui ont laissé le martyr. Elle a compris ce que je lui ai enseigné en ce qui concerne le martyr. Parce que je disais à ma femme, ne sois pas seulement chrétienne, sois martyr. Je suis un martyr pour Christ. Tu fermes les yeux devant la mort et tu acceptes n'importe quel genre de condition pour Jésus-Christ. Juste pour la gloire de Jésus-Christ. Tu es prêt à subir n'importe quoi l'humiliation l'ignominie l'infamie la raillerie la moquerie n'importe quoi pour le nom de Jésus donc nous ne sommes pas nous ne sommes pas seulement prêts à souffrir mais nous sommes prêts à mourir c'est ça la vérité nous ne sommes pas prêts seulement à souffrir pour Christ nous sommes prêts à mourir Jésus Christ. Donc, mes amis, nous devons comprendre cela. Vous comprenez Nous devons comprendre ce mystère-là. Si nous le comprenons, nous serons heureux. Donc, un croyant ne doit pas avoir peur de la mort. Il y a des demeures au ciel pour nous. Nous aimons le Seigneur. Nous aimons. Mais je ne peux pas aimer ma vie plus que Christ. Ce n'est pas possible. En fait, pour moi, ce n'est pas possible. Je ne peux pas aimer les choses de la terre plus que Christ. Je ne peux pas le faire. Je n'ai même pas la force. Je ne trouve pas la force en moi pour ça. Vous voyez Les gens doivent comprendre. Heureusement que Dieu a caché nos cœurs aux autres. Non, non, nous voulons servir le Seigneur. Mais si vous êtes à Douala, ne manquez pas. C'est ce dimanche à partir de 16h. Et à Yaoundé, nous avons un grand séminaire sur le mariage qui va commencer ce lundi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous serons là. Donc prépare-toi, sois présent. Viens prier avec nous. Viens prier pour ta famille, pour toi-même. Si tu es déjà marié, viens. Dieu peut consolider, consolider ton mariage. Il va encore le bénir, le rendre encore plus prospère. Pour vous qui ne sont pas. Et pour vous qui n'êtes pas. Vous qui n'êtes pas. Oui, c'est ça. Pour vous qui n'êtes pas encore mariés, venez. Même pour vous qui ne voulez pas vous marier, si vous avez une seule personne dans votre famille hein, qui souffre du célibat, pour qu'il faut prier, venez. La Bible dit il est bon que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est agréable au Seigneur. Mais seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc le mariage est fondamental pour les croyants. Le mariage est le socle de la sanctification et de la sainteté dans l'Église. Il faut comprendre cela. Tout pasteur, quand j'entends les pasteurs raconter dehors que, oh, vous passez le temps à parler pour mettre mariage aux gens. Vraiment, je vais dire quoi? J'ai honte. J'ai honte. Parce que si un homme de Dieu ne peut pas comprendre que la Bible a insisté sur le mariage et que pour Jésus-Christ c'est fondamental, et que pour les apôtres aussi, le mariage est un sujet capital. Et, 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 et fonctionnel pour l'église, essentiel pour la sainteté, la croissance de l'église, la stabilité de l'église. Vraiment, un homme de Dieu ne comprend pas ça. Je ne sais pas d'où il vient, de quel planète il sort. Chaque homme de Dieu devrait donner de l'importance à la formation des familles dans son église. Il devrait enseigner et former les brebis sur l'importance de se marier pour que le taux d'adultère, de fornication, d'impudicité, d'immoralité sexuelle dans l'église baisse. Il faut que les gens se marient et qu'ils soient bien éduqués dans le mariage, qu'ils comprennent bien le concept du mariage chrétien. C'est important. En ne parlant pas du mariage aux gens, et en ne formant pas le, les gens, et en montrant plutôt aux gens que c'est dangereux, les églises où on parle de mariage, on forme les gens sur le mariage, on promeut gens de se marier, alors il faut faire attention, nous exposons les gens à ne plus voir la nécessité de se marier, à ne plus voir l'importance du mariage dans la vie du croyant, et puis et c'est l'adultère, la, c'est le sens. Contraire qui arrivera et les gens vont commencer à vivre dans vie, on reste ensemble, les concubinages et tout cela, la fornication, etc. Non, il faut enseigner aux jeunes de se marier. Il faut enseigner aux parents qui sont mariés d'être heureux et d'être le modèle pour la jeunesse. Voilà ce que nous, nous connaissons de Christ. Donc, ne manquez pas à ce grand séminaire de mariage à Yaoundé. Je veux dire à Yaoundé, dans les périphéries, voyagez, venez. Parfois, il y a des malédictions familiales qui peuvent nous empêcher de nous marier. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer. Le retard dans le mariage, dans la vie d'un enfant de Dieu, ça peut être des attaques maléfiques, on va prier pour cela. Ça peut être aussi le caractère, le comportement, le tempérament. On va voir. À Doula, nous avons essayé de voir la différence entre le tempérament et le caractère, et les habitudes, etc. Donc, c'est important ce séminaire. Pour moi, c'est capital de former les croyants sur l'importance du mariage. Déjà que j'ai un manteau que je porte, Dieu m'a donné la grâce d'être marié. Et de, de. Ça dit que des juifs du mariage jusqu'à l'optimum. de juifs. Ça dit que je ne sais pas s'il y a quelque chose dans le mariage que je n'ai pas goûté. Le Seigneur nous a donné d'être épanouis sur le plan comportemental, relationnel, sur le plan financier, euh, sur le plan sexuel, sur, sur tous les plans, vous voyez. Nous avons été comblés. Et, et le, le comble que j'ai eu pendant mon mariage, pendant ces sept ans, me nourrit encore et me nourrira jusqu'à ma mort. Donc je crois en cela. Je crois que le mariage. Et de Dieu, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Je crois aussi qu'on peut réussir dans le mariage. Je crois qu'on peut être heureux dans un mariage chrétien. Je crois qu'on peut être chrétien et faire un très bon mariage. Et c'est ça que je veux partager avec toi. Donc, ne manque pas. Que le Seigneur te bénisse. Bon week-end. Et nous nous voyons ce dimanche. Et la gloire de Dieu se révélera. Que Dieu te bénisse encore abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.